Quelques jours après les émeutes meurtrières en Sierra Leone, le président Julius Maada Bio s'est exprimé à la télévision nationale. Selon lui, les responsables de ces troubles seraient les partis d'opposition qui chercheraient à déstabiliser le pays. Avant le 10 août, les insurgés s'étaient identifiés sur les médias sociaux comme des guerriers des partis APC et PPP et des personnes déterminées à s'emparer du pouvoir politique au prix de centaines de vies. Les manifestations n'auraient donc, selon le président, aucun rapport avec le coût de la vie qui a fortement augmenté dans le pays ces derniers mois. Il ne s'agissait pas d'une protestation contre la hausse du coût de la vie due à la crise économique mondiale actuelle. Le chant des insurgés était destiné à un renversement violent du gouvernement démocratiquement élu. Plusieurs civils et au moins 4 membres des forces de sécurité ont été tués dans ces manifestations, qui ont par ailleurs été marquées par une suspension d'Internet.